lutte contre la pauvreté, mettre l'accent sur l'agriculture. Un accord de dons pour le financement de l'étude de faisabilité du programme de transformation de l'agriculture malgache a été signé hier entre le gouvernement malgache, représenté par le grand argentier Gelvera Kutterman, et le représentant résident de la Banque africaine de développement Oubad à Madagascar, Abdelkrim Benjebour. Cette cérémonie de signature s'est déroulée à l'hôtel 5 étoiles et a été assistée par le ministre auprès de la présidence en charge de l'agriculture, Rivra Kutvau, et le vice-président du groupe de l'Abad, et nous sommes en phase de finalisation de la nouvelle stratégie qui devra être approuvée au plus tard début 2017. Donc dans cette nouvelle stratégie, bien entendu, il y a les cinq priorités de la banque qui seront couvertes par les deux piliers, à savoir nourrir l'Afrique, éclairer l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer le niveau de vie de la population africaine. Donc ça devra s'approuver dans le courant du premier trimestre 2017. Le grand argentier a noté que l'agriculture est un secteur que le gouvernement veut développer pour lutter contre la pauvreté en assurant une croissance économique forte et inclusive. L'étude envisagée a une importance capitale car elle aboutira à des propositions concrètes de programmes à mettre en œuvre pour la transformation de l'agriculture malgache. C'est la première étape pour passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture productrice de richesses.